Je te rends toute la gloire. Amen. Ton nom est Elohim. Yes. Merci. Merci parce que tu es Dieu. Nous voulons t'honorer durant toute cette nuit, pendant tout ce programme, cette convention internationale de délivrance. Utilise ma personne et fais du bien chacun d'entre nous. Éternel notre Dieu, merci de m'inspirer et merci de m'utiliser. Que la gloire te revienne. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. On dit amen. Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. J'ai dit que Dieu vous bénisse, je n'ai pas entendu amen. Dis à quelqu'un, tu es béni. Dis à quelqu'un, tu es béni. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu es béni. Dis à ton voisin, tu es béni. Nous sommes tous là dans le but d'adorer notre Dieu. Amen. Celui que nous sommes tous venus chercher, c'est Jésus-Christ. Amen. Oh, bien. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Dieu Tout-Puissant. Dis à quelqu'un, Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Dis à quelqu'un, Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Je suis convaincu d'une seule chose, que tu ne retourneras pas de cette convention sans que Dieu n'ait fait quelque chose pour toi. C'est la chose la plus claire et sûre. C'est la chose la plus claire et sûre. Tu recevras ta délivrance. Dans le nom de Jésus. Dieu va restaurer ta vie. Dieu va te délivrer. Le Seigneur va positionner ta vie. Il dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Amen. Si vous le cherchez de tout votre cœur. Amen. Nous sommes venus le chercher, convaincus que nous allons le trouver. Amen. Ce n'est pas Crasso qui fera ton miracle. Amen. C'est Jésus. Amen. Jésus-Christ sera l'auteur de ton miracle. Amen. Il est encore le même. Amen. Aujourd'hui, vous opérez ton miracle. Amen. Je suis convaincu que le cancer va partir de ton corps. Amen. Je suis convaincu que tu vas te lever pour marcher. Amen. Je suis convaincu que ton papier sera réglé. Amen. Je suis convaincu d'une chose, que le miracle, tu rentreras pour ce champ de ton miracle. C'est une convention de délivrance. Chacun d'entre nous sera délivré. Amen. Dis à quelqu'un, chacun d'entre nous sera délivré. Dis à quelqu'un. Alléluia. Et nous allons mater la sorcellerie. Nous allons mater la sorcellerie. Quel que soit là où elle est, nous allons mater cette sorcellerie. Amen. Alléluia. Nous allons faire tomber toutes les forteresses. Nous allons faire tomber tous les sorciers de notre vie. Et rentrer en possession de 2018. C'est notre année. 2018 est ton année. C'est une promesse de Dieu sur ta vie. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Il écrasera tes ennemis. Dieu écrasera tes ennemis. Amen. Je suis convaincu d'une chose, qu'ils seront sous cette terre dans le nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai quelqu'un trop, c'est trop. Amen. J'ai quelqu'un trop, c'est trop. J'ai quelqu'un, ça suffit là. Ça suffit. Ça suffit. Nous allons les mater, ils vont comprendre. C'est pas de la blague. Hein. C'est ce que j'ai dit là, c'est pas de la blague. Nous avons reçu le pouvoir de Christ pour mater la sorcellerie. C'est pas pour jouer avec eux. Nous n'allons pas jouer avec eux. Les chaînes doivent tomber. La victoire est acquise à la croix, par Christ. Nous avons notre victoire en Jésus-Christ. Nous avons notre travail en Jésus-Christ. Nous avons notre mariage en Jésus. Nous avons la prospérité. Nous avons la guérison en Jésus. C'est ce que tu es venu obtenir ici. Et je crois avec mon cœur. Tu sortiras de cette salle avec les miracles de Dieu. Tu sortiras de cette salle. Je crois, Seigneur.
Je crois ton miracle, moi je crois. Merci Jésus. Je crois ton miracle. Merci Seigneur. Je crois que le diable a échoué. C'est la fin du diable. Yes. Alléluia. C'est la fin du diable. Satan, tu as bien entendu. Tu as bien entendu. Vous les sorciers, vous avez bien entendu. C'est fini pour vous. Qui croit ça? Je ne suis pas venu discuter avec un sorcier. Je l'ai maté. C'est pas pour parler. C'est ton papa, je le mate. Vous savez quand on dit maté, c'est pas de l'orgueil. Je vous ai donné le pouvoir, mon nom, de marcher sur les scorpions et les serpents et sur toute la puissance du diable, et rien ne pourra vous nuire. Il dit à mon nom, vous lierez, vous chasserez les démons. Tout ce que vous liez, à mon nom sera lié. Tout ce que vous déliez sera délié. Nous ne sommes pas venus, nous venons battre la sorcière. Je sais que vous êtes prêts, asseyez-vous. On va démarrer tout à l'heure, asseyez-vous. Laissez-moi introduire, asseyez-vous. Amen. Cette nuit est tellement prophétique. Amen. Amen. Nous sommes en novembre. Le mois prochain, c'est quel mois? Très bien. Ça veut dire que deux mois avant la fin de l'année. Ok? Et ce vendredi, c'est une nuit chez ceux qui le savent très bien. C'est le vendredi lunaire. C'est des choses peut-être que vous ne savez pas, ça ne vous intéresse pas peut-être. Mais c'est la nuit où tous les sacrifices se positionnent pour la fin d'année. C'est des révélations que je vous donne, peut-être que vous ne savez pas. C'est la nuit où tous les sacrifices mystiques se positionnent. Ceux qui sont dans la franc-maçonnerie sont déjà dans leur loge. Ceux qui sont déjà dans les villages, ils ont commencé déjà à programmer la sorcellerie. C'est-à-dire ceux qui doivent tuer en fin d'année, c'est cette nuit, la vendredi lunaire, que tout se positionne. C'est pour cela que cette nuit, elle est vraiment importante pour nous. C'est pour cela que tu es béni. Toi qui es maintenant présent, tu es béni. Dis amen. Toi qui es présent ce soir, tu es béni. Alléluia. La vie est question de programmation et de déprogrammation. Le hasard n'existe pas. Ce qui doit t'arriver était déjà programmé. Si tu ne déprogrammes pas, ça va t'arriver. C'est pour ça que la Bible dit qu'il nous a donné le pouvoir. Il faut comprendre ce qu'il a dit. Il y a ce que Jésus peut faire, il y a ce que toi tu peux faire. Et je vous donne le pouvoir à mon nom et marchez. Est-ce que vous comprenez ce que Jésus dit? Il n'a pas dit de s'asseoir, il dit je te donne le pouvoir et marchez. Il ne faut pas t'asseoir et marche. C'est ce que nous allons faire. Nous allons posséder 2018. Et il y a une révélation particulière pour toi, la diaspora. Un bon réveil va souffler sur toi. Amen. Et tu vas prospérer. Amen. C'est notre temps. Dis à quelqu'un, c'est mon temps. C'est notre temps. Alléluia. Amen. C'est le temps de chacun d'entre nous. On ne peut pas seulement croire au salut et puis ne pas être prospère. Parce que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour qu'en lui, nous soyons enrichis. Amen. Nous avons le roi des rois avec nous. Amen. Toute la prospérité avec nous. Amen. L'abondance avec nous. Amen. Jean le chapitre, l'évangile de Jean le chapitre 10, il dit, je suis la vie, je vous donne la vie. Je la donne en abondance. Il y a tout en Jésus-Christ. Amen. C'est votre année. Amen. Amen. Vous allez prospérer. Amen. C'est une petite chose là. Vous allez prospérer maintenant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. 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 Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes à une convention, une rencontre de prière, une rencontre où chacun d'entre nous sortira de cette convention délivré. Amen. Je suis. C'est comme Jacob, n'est-ce pas? Il y avait un problème avec Esaü, son frère. Il s'appelait Jacob, ok?
qui est venu trompeur, hein, et qui a dissipé, qui a volé la bénédiction de son frère. Il allait vers son oncle. Au retour, il savait qu'il y avait un ennemi qui l'attendait. Et son frère l'attendait. Parce qu'il avait volé sa bénédiction, sa grâce. Mais pendant toute une nuit, il va prier le Seigneur. Et l'ange va apparaître à Jacob. Il va lui dire, quel est ton nom? Amen. Parce que le problème de Jacob, c'était son identité. C'est qui il est. C'est ce qui créait tous les problèmes. Il dit, mon nom est Jacob. Il dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras Israël. Alléluia. Oh, Esaïe attendait Jacob. Lui, il attendait Jacob. À sa grande surprise, il voit Israël. C'est comme ça que les gens pensent qu'ils entendent une prostituée, ils entendent une célibataire, ils entendent un pauvre. Mais au sorti de cette convention, il verra une personne prospère, une personne bénie, une personne délivrée, une personne restaurée. Et je parle de tout mon cœur, c'est toi ce soir. Cette convention révèle beaucoup de choses. Cette convention te positionnera dans beaucoup de choses. Cette convention apportera beaucoup de choses à ta vie. Amen. 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 Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a cherché Dieu et sans que Dieu ne se révèle à lui. Amen. Non. Il dit, vous me prierez, vous partirez, je vous exaucerai. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci pour vous qui êtes déplacés en grand nombre pour être à cette convention. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a des endroits où Dieu fait des choses qu'il ne fait pas ailleurs. Amen. Ouais. Il y a des endroits où Dieu fait des choses qu'il ne fait pas ailleurs. Amen. Quand quelqu'un vous parle de son ministère, il faut qu'il ait une histoire de son ministère. Amen. Dieu l'a appelé comment? Il dit, lui, il chasse sorcier. Mais comment c'est venu? Ton histoire de chasser sorcier, là, c'est venu comment? Mm. Il faut avoir une histoire. Il ne faut pas venir imiter le prophète Crasso. Ouais. Amen. Amen. Parce que chacun son ministère. Amen. Il ne faut pas venir jouer sur le jeu du prophète. Sur le sorcier, il va te manger. Tu ne vas pas rester longtemps dedans. Il ne faut pas regarder la vidéo pour dire tu vas faire comme prophète, toi tu tues sorcier, tu vas m'attraquer sorcier. Tu as eu sa paix là comment? Comment tu es rentré dedans? C'est depuis quand Dieu t'a appelé pour être dedans. Il faut arrêter ça. Avec les sorcelleries, si ce n'est pas la grâce de Dieu, ils vont te tuer. Moi j'ai une histoire, j'ai maté les sorciers de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas de l'amusement. Il n'y a pas un sorcier qui va me regarder dans les yeux et qui va me dire un mot. S'il parle, il tombe. Je ne suis pas quelqu'un qui reste seulement à Abidjan, ou bien à Paris, ou à New York. Je m'arrête dans le village. Et je parle aux sorciers, les merdes. Amen. Les sorciers seront matraqués. Amen. Les sorciers seront. Amen. Vous croyez ça? Amen. Vous croyez ça? Amen. Ils seront matés. Amen. Ils ont tellement fait des vilaines choses. Les gens mangent, quand ça, ils veulent t'embrasser, toi, j'ai une femme la nuit. Ils sont malades. Ça a commencé à la convention. Il ne peut pas draguer parce que tu as cassé son cou. En français, il va rien dire, casser le cou. Mais la nuit, il peut faire son chat noir spirituel. Il vient la nuit, il abuse de toi, il met son gnéni gnéni sur toi. On ne peut plus te regarder. Tout est bizarre autour de toi. Tu es bizarre. Celui qui ne croit pas à la sorcellerie, c'est qui lui-même est sorcier. Amen. Tu peux penser que tu ne sais pas, tu ne crois pas. Mais reste tranquille. Laisse-nous t'enseigner quelque chose. Les gens d'habitude disent, ah, c'est les sorciers qui connaissent les sorciers. C'est les sorciers qui entrent en sorcier. Quand les blancs tuaient les sorciers ici, c'est parce qu'ils étaient sorciers qui brûlaient les sorciers. Attendez, arrêtez vos comédies. Pendant 3 siècles, ils ont radiqué la sorcellerie, ils ont brûlé les sorciers au bûcher. Allez sur Google, vous informez, vous. J'ai eu la chasse aux sorcières du 15, 16, 17e siècle, 3 siècles. On prend le sorcier, on le brûle le bûcher, du pied jusqu'à la tête, toute la confrérie qu'on brûlait. Attends, c'est parce qu'ils étaient sorciers qu'ils faisaient. Non, ils en avaient marre. Ils ne voulaient pas voir cette pratique. Parce qu'elle est quelque part, c'est l'anti-développement. Amen. C'est ça qu'ils sont développés. Et l'histoire est là. Elle ne peut pas se troquer, l'histoire est là. Les Occidentaux ont battu la sorcellerie pour être aujourd'hui à cette position. C'est clair.
Ils ont pris 3 siècles. Vous êtes là, vous rêvez. Comme vous êtes avocat du diable, le prophète crasseux mal, vous pensez que nous. Non, écoutez, ça ne me dit rien. Moi, personne ne peut me décourager dans mon travail. Amen. Amen, amen, amen. J'ai mon histoire avec Dieu. C'est tout. Ce que tu dis à côté, ça m'intéresse. Amen. Amen. Mon histoire avec Dieu, point barre. Amen. Je suis convaincu que je suis dans la vérité. Quelqu'un qui dit tu, moi je le mate. Pas de l'abandon. Il y a qu'à le laisser. Il va faire sa chose, voilà. Du lait pour manger, tu veux ça? J'ai tué 60 personnes, j'ai tué 500 personnes. Et vous trouvez que c'est normal? Qu'une personne, des gens viennent manger, détruire la vie des gens. Et qu'on les regarde, on a qu'à les cajoler. Pourquoi? Pourquoi? Et quand on fait ce combat, vous pensez qu'on est diable? Vous nous collez l'étiquette, c'est vous qui êtes diable. Regardez le travail. Ce n'est pas du montage. C'est de la vérité. Et c'est pas moi qui l'ai inventé. Les Occidentaux ont commencé ce combat. Malheureusement, ils brûlaient les gens. Attends, et il brûlait. Le prophète Crasso ne brûle pas, il s'enchit. Il est guéri. Moi, je le guéris de la sorcellerie. Le sorcier, mais il est heureux quand il me rencontre. Parce qu'il a su d'être délivré. Sinon, là, ils vont le goûter, ils vont le brûler. Quand il me rencontre, il est content, mais s'il sera délivré. Amen. 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 Non, un sorcier ne peut pas chasser un sorcier. C'est dangereux, c'est pas possible. Ce sont ceux qui sont révoltés contre la sorcellerie qui disent non à la sorcellerie. Amen. Qu'on n'aime pas le Ebola en Afrique, on dit non, tout le monde s'est levé. Oui. Qu'on n'aime pas le sida, on dit non. Attends, nous devons avoir une même voix. Nous sommes les enfants de Dieu. Les ténèbres, nous n'avons pas aimé les ténèbres. En temps normal, la mission d'un croyant, c'est de mater les œuvres du diable. Amen. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. C'est le seul ministère au monde, le seul ministère qui n'a pas peur de ce sujet. Vous parlez de ça brièvement. Non, ta maman est sortie au village, ne va pas là-bas. Non, dit ta maman est sortie, on t'accompagne, on va l'attraper. Et puis on va la mater un peu. On va corriger ta maman sortie. Ton papa est sorcier, on ton copain au village, on est mort. Vous êtes derrière les écrans d'ordinateur, c'est vous qui insultez les gens. Marichal, non, insultez. J'ai dit aux gens, vous bavardez. Non, bavardez pas. Non, agis. Nous délivrons les gens des mangeurs d'armes. Les gens qui terrorisent un village. Les gens qui terrorisent toute une nation. Les gens qui terrorisent les gens. Qui les embête nuit et jour. Et vous voulez que nous regardons comme ça, les gens? Non. Amen. C'est ce que vous voulez? Non. Que Dieu bénisse. Amen. Nous ne lâcherons pas ce combat. Amen. Nous autres, nous ne lâcherons pas ce combat. Amen. Vous vous détrompez. Un sorcier ne peut pas attraper son camarade sorcier. Vous êtes un menteur. C'est pas moi qui ai inventé. Les blancs eux-mêmes, ceux-là, les blancs, ils ont brûlé sorcier. Moi, depuis quand m'a vu brûler sorcier, moi je pars avec les délivrés. Tu veux pas délivrer? Je veux délivrer. Ok. Sors. Tu veux pas délivrer? Non, je veux pas. Va. Quand ils vont t'amener dans une tombe, tu es mort sur la délivrance de la famille. Amen. Alléluia. Vous rencontrez ce que vous voulez rencontrer. Vous rencontrez des bêtises. Oui. Mais non, Satan ne nous effraie pas. Comparez Satan le mat. La sorcellerie. Vous cajolez ça. Vous jouez ça. On ne joue pas ça. Ce n'est pas un sujet lequel on doit s'amuser. Vous pensez qu'on est superstitieux, non? Vous voyez le diable partout, il est partout. Malheur, la mer et la terre, parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Il est partout. S'il vous plaît. Nous ne sommes pas bêtes pour imaginer les choses. Ce que nous vivons, nous savons que c'est spirituel.
Parce qu'il y a deux mondes. Il y a le monde spirituel et le monde visible. Tu es convaincu que ce que tu vis, non, j'ai une main occulte dedans, j'ai une main obscure dedans, j'ai une main mystique dedans. Mais mystique, ça existe en français. Le mot sorcellerie existe dans toutes les langues de la planète. Hein? Si ce n'est pas, si ce n'est pas important, ça n'a pas avoir de nom dans toutes les langues de la planète Terre. Mais au-delà du nom, c'est quoi la sorcellerie? C'est ça. Si chacun d'entre nous avait cette même connaissance que j'avais aujourd'hui, je pense que nous allons mettre tous dans le combat. Malheureusement, je pense bien, malheureusement, il n'y a pas assez d'hommes de Dieu qui se donnent dans ce combat. Malheureusement. Oh, vous n'oubliez pas avoir peur de ce que Jésus-Christ a vaincu. Nous avons foi que Jésus a vaincu la sorcellerie. C'est pour ça que ça ne nous effraie pas, la sorcellerie. Ah oui? Les fidèles qui viennent à l'église, leur problème c'est la sorcellerie. Vous criez, vous partez, venez donner aux offrandes. Leur problème, c'est la sorcellerie. Voilà. Allez-y, tournez. Vous finissez à l'église, le sorcier. Si la maison, le sorcier l'attend à la maison, vous faites barbecue, le manger. Ou bien un petit sorcier qui est de nous, avec deux aubergines, le manger. Les gens bergeons de votre argent, mais vous-même, vos délivrances, ça ne les intéresse pas. Oui, c'est ça. Il faut que vous soyez délivrés. Vraiment. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Alléluia, soyez bénis. Amen. On va vous mater, vous allez comprendre, vous les sorciers. C'est pas un musulman, je suis en train de dire. On va vous mater, vous allez comprendre que les êtres humains ne sont pas des poulets à manger. Ils ne sont pas mangeables. Si vous voulez manger les poulets, il y a des endroits où on achète des poulets. Le vieux Boukari vend les viandes de bœuf au marché. Va acheter, tu vas manger. C'est bien de l'homme, vous voulez manger. Vous avez quel problème? Il y a plein de choses que vous avez besoin de connaître. Il faut qu'on vous ouvre les yeux. Non, on ne vous met pas des conneries dans vos têtes. On vous amène à comprendre le monde spirituel. Ce n'est pas des conneries qu'on met dans vos têtes. Il faut maîtriser les deux mondes parce que c'est une réalité. Le monde spirituel et le monde visible, c'est les deux réalités. Si tu ignores le monde spirituel, ton existence n'a plus de sens. Mais dans le monde spirituel, il y a deux réalités. Il y a le royaume de Dieu et puis le diable. Or, celui qui nous crée les problèmes, c'est le diable. C'est notre adversaire. Vois bien le maîtriser. Que Dieu bénisse. Amen. J'aurai l'occasion de vous éclairer sur beaucoup de choses. Amen. Aujourd'hui, c'est l'introduction de la convention. Comme je disais, aujourd'hui, vendredi, c'est un jour stratégique pour les mystiques. Lyon, c'est la grande plateforme de tout ce qu'on appelle la franc-maçonnerie. Et les gens le savent, ici, ils le savent. Nos grands chefs d'État, c'est ici, ils viennent dans les grandes loges maçonniques, c'est ici, à Lyon. C'est pas Paris, c'est ici. Amen. Ah oui, c'est pour ça que pour nous, c'est stratégique. Nous, on veut la source. C'est la source qui nous intéresse. On dit Élisée, et Élisée allait vers la source des eaux. Oui, la Jésus du Seigneur dit, j'assainis les eaux. C'est la source qui nous intéresse. D'où vient le pouvoir? La plupart de nos chefs d'État sont sorciers. J'ai dit aux gens, vous pensez que c'est parler mal. Mais c'est ce qui est, c'est bon, non? Parce que voyager, sortir d'un corps, faire un voyage astral, c'est la sorcellerie. Pourquoi vous avez peur de ça? Vous avez changé, quand on vous dit le nom, ça vous énerve. Moi, je n'ai pas peur qu'on me dise Jésus-Christ. Tu n'es pas avec Jésus-Christ, tu fais autre chose, c'est la sorcellerie. Amen. Vous voulez qu'on dise quel nom? Ok. Vous avez le pouvoir de dominer les gens. Dominer les gens. Vous parlez, vous oubliez qu'ils parlent. Ils sont des bénis, oui, vous voulez rejeter les choses. Ils acceptent ça bêtement. Mais c'est de la sorcellerie. Amen. Amen. Nous allons mater au nom de Jésus-Christ. Amen. Un croyant qui a peur, c'est qu'il ne connaît pas Jésus. Amen. Si tu as peur du diable, c'est qu'il ne connaît pas Jésus. J'ai expliqué ça à une mère fille. Elle dit, mais Jésus-Christ est comme celui qui est fort, puissant. Il marche avec toi. Tu vois un maigreleux, tu trembles, tu as peur et tu veux fuir. C'est-à-dire que tu ignores la présence de Jésus. Tu lui dis, mais il n'est pas fort. Moi, je sais avec qui je marche.
pourquoi avoir peur de la sorcellerie? Il n'a qu'un sorcier qui lève le doigt. Je le fais saigner des oreilles, de la bouche. Moi, j'ai dit mon ministère, ça ne parle pas trop. Moi, je suis dans une démonstration de puissance de Dieu. Si quelqu'un est dans la bateau, si tu n'es pas d'accord, lève-toi, dis les choses. Je te fais vomir tout ton sang de ton corps. Tu vas rendre témoignage et tu convertis. Après Jésus, on ne parle pas beaucoup maintenant. Ce n'est pas une question de ah non, tu sais que. Non, si tu es sorcier, lève-toi et je te mette. Tout gentiment. Quand tu vas te lever, tu vas te convertir. Petit, ça va? Tu as laissé la sorcellerie? Voici un petit, la nuit, il fait chaque mois. Mais là, il te délivre. Amen. 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 Non, ça va. J'ai testé. J'étais en train de tester l'endroit. Comme ça. Amen. Moi, mon détecteur, il tombe jamais en panne. Faut t'asseoir. Tu t'envoles plus la nuit? Non. Les petits voyages au Cameroun, les petits Zindoulis, les petits trucs comme ça. Non. Ça va? Que Dieu te bénisse. Amen. Vous voyez comme on peut dire qu'un sorcier en arabe, c'est un sorcier. Amen. D'autres églises vont dire, ah, il est sorcier, on ne peut pas le délivrer. Moi, je le délivre. Je n'ai pas peur des sorciers. Que Dieu bénisse. Amen. Il y a quelqu'un qui a une convention. Tu as une convention. C'est le merveilleux groupe musical que j'ai jamais connu ici en Europe. Que Dieu bénisse. Quand vous chantez, je suis trop inspiré. Vous avez déjà créé l'atmosphère, vous voyez, non? Que Dieu bénisse. Je vais en profiter pour dire merci à la délégation de la Suisse. Ma fille. Et toute la délégation, tenez-vous debout. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis. Je tenais à dire cette soeur, ma fille, depuis qu'on s'est rencontrés, elle est déjà allée à Divo, où c'est un moment de prière et de délivrance. Et depuis un moment, c'est elle qui a pris sous elle de gérer, payer tous les fins du mois, le centre, vous voyez, là. Elle envoie chaque fin du mois l'argent pour payer le centre, le loyer du centre. Je tenais à dire ça. Elle ne voulait pas entendre, mais moi je tenais à dire ça, que Dieu te bénisse. Et elle a mis elle-même la prière ici, assise, elle-même mettre un subcellule en place depuis la Suisse pour intercéder pour mon ministère. Amen. Comment je peux aimer une mes filles? Comment je peux l'aimer? Amen. Prophète, tu ne penses pas à moi. J'ai pensé à toi comme. Tu ne penses pas à moi. Comment j'ai pensé à toi? Amen. Amen. Ils sont en train de préparer. Le grand programme, c'est quand pour la Suisse là? Voilà, c'est du 15 au 16 décembre. C'est où? À Zurich, c'est ça? Du 15 au 16 décembre à Zurich. Voilà, toute l'équipe sera là-bas par la grâce de Dieu. On viendra vous soutenir par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je tiens aussi à dire merci au pasteur Armand de Verbania. Ils sont aussi à leur tour en train de préparer aussi un grand programme. Au niveau de l'Italie, je tenais à dire le pasteur Armand est le parrain de l'orphelinat. Amen. Que Dieu te bénisse. Il fait beaucoup pour l'orphelinat de Divo. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup pour l'orphelinat de Divo. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Je tenais aussi à dire merci. Ben, si tu ne veux pas, je vais te présenter quand même. Merci à cette soeur. C'est elle qui a pris mon billet d'avion. On réfléchissait en étant en train de voir qu'elle m'a dit, elle m'a envoyé le message, je prends ton billet, dit, bon, ma fille, merci. Mais c'est pas l'orgueil, je voyais un peu mes classes. Parce que quand tu as goûté là-bas, tu ne peux plus aller dans Gany Gany. J'ai goûté là-bas. Là-bas, là, tes pieds sont bloqués jusqu'à l'arrivée. Tu as crampé. Oh, moi, j'ai bien couru dans la salle. Elle dit, ben, je te fais le billet. Elle m'a fait le billet, que Dieu te bénisse. Que Dieu réponde sur toi toute la grâce. Amen. Et j'ai un message, une prière particulière pour toi. Et c'est vraiment important pour moi que Dieu te bénisse. Amen.
c'est une sœur camerounaise, pas ivoirienne. Je tenais à préciser ça. Elle est camerounaise. Amen. Je tenais aussi à dire merci à deux messieurs qui sont mes enfants spirituels. Les deux, tenez-vous debout. C'est ces messieurs-là qui m'ont aidé pendant que j'étais en train de faire le livre. Quand j'avais fini d'écrire, il fallait envoyer à l'imprimerie. Il y a souci d'argent. Donc, par la foi, ils m'ont envoyé l'argent. Ça m'a vraiment aidé à pouvoir vraiment finaliser le livre. Que Dieu vous bénisse. Recevez la grâce de Dieu dans votre vie. Je tenais aussi à dire merci à ce grand comité d'organisation. Où est votre maman Bessoral? Elle est dehors ou pas? Venez, venez, je vous présente un peu. C'est pas facile de gérer le coup de fil. Non, il faut avoir une douceur. Parce qu'il y a les gens qui posent des questions, qui reviennent sur des questions. Moi, je me dis, mais Yako, tu souffres. Mais souvent, je prends le téléphone, je parle. Je ne sais même pas que Dieu te bénisse. Voilà, merci. Et merci à Stéphane, juste derrière, le seul blanc qui nous reste dans l'équipe. C'est le meilleur technicien. C'est notre technicien, ça. Merci à féliciter Madame Kofi. Merci à mon fils. Et merci à tout le monde. Merci à Bienvenue et toute son équipe. Merci franchement à tout le monde. Que la grâce de Dieu demeure sur vous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Recevez vraiment la grâce de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Je tenais aussi à dire merci les États-Unis. Pendant que nous sommes en train de dans cette salle, toute cette délégation des États-Unis sont en train de prier pour nous. Ceux qui ne sont pas venus, bien sûr, sont commencés à prier pour nous, sont en train de prier pour nous. Je tenais à dire merci, n'est-ce pas, à Honorine Onso et Béatrice aussi. C'est une sœur aussi camerounaise, très engagée dans nos activités. Elle est camerounaise, elle vit au Texas. Et c'est elle, c'est pas elle, on a eu les 4000 chaussures pour chausser les enfants de Divo. Franchement, vous les Camerounais, là, hein? Les Camerounais, là, vous êtes trop dans mon affaire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais invitez-moi un jour au Cameroun. D'autres disent, le prophète Krasso, il va pas au Cameroun. Mais c'est pas pour moi Air France ou Air Côte d'Ivoire. Invitez-moi. C'est tellement simple. Vous adressez une invitation. Nous sommes 12 personnes pour arriver dans un pays. Vous prenez les billets en compte. Vous prenez nos séjours. On a une semaine pour mater tous les sorciers pour revenir. C'est tout. À moins de vous dire Jésus vous aime, vous a déjà matraqué. Et puis maintenant, je vous aime, viens après. Nous, c'est comme ça. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Je tenais aussi à dire merci à Ludovic. On l'appelle notre chef d'état-major. Nous, là, c'est une brigade, on ne porte pas treillis. Nous, c'est interdit de porter les treillis physiques ici. Nous ne sommes pas une armée Chanel. Ah non, non, non. Nous ne sommes pas une armée de la chair. Pour montrer aux gens qu'il faut porter les treillis, non, ça c'est de l'enfantillage. Mais nous, c'est une armée spirituelle. Parce que la Bible, nous qui sommes des soldats, donc chacun d'entre nous a un treillis. On dit l'Éternel, le Dieu des arts. Ça y est, par moi, il porte treillis, mais son treillis, on ne voit pas, c'est spirituel. Donc nous, on ne se voit pas en train de porter les treillis. Lui, c'est notre chef d'état-major. Celui qui est le coordinateur, qui pilote tout. Et c'est un frère centrafricain. Que Dieu te bénisse abondamment. Il m'a amené à aimer vraiment Lyon. Moi, je voyais Lyon comme ça, comme ça. C'est ce monsieur-là qui m'a amené à aimer Lyon. Parce qu'il y a des questions que je pose. Vous savez, quand vous êtes dans un endroit possédé de la ville, ne soyez pas dans la ville aveuglement. Parce que la ville a été bâtie sur des choses. Il faut avoir les informations sur la ville. Il faut avoir les choses. Donc, avec lui, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai eu beaucoup d'informations. Et ça m'a beaucoup aidé. Amen. Nous allons prier cette nuit-là. Beaucoup de choses vont déménager dans la vie de beaucoup de gens de la diaspora. Amen. Alléluia. Amen.
C'est votre droit de recevoir la richesse. C'est votre droit que ce sol vous accueille bien. C'est votre droit que ce sol vous donne en retour ce dont vous avez besoin. Je ne suis pas un politicien, mais je suis un prophète de l'Éternel. Je suis un messager de l'Éternel pour la défense de ce pays qu'on appelle la France. Le sang de nos parents africains a coulé sur ce sol. Ça, ce n'est pas une question des noms, les blancs ou les noirs. On vous a aidé dans les moments difficiles. On vous a aidé. Donc, ça dit qu'on a participé à votre indépendance, on a participé à votre délivrance. Donc, l'Afrique, les gens doivent bosser à l'Afrique. Moi, je ne suis pas un politicien pour dire tel politicien est bon, tel. Non, 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 je vous donne la vérité. Donc, le sol, on va parler au sol européen. Ça doit vous donner beaucoup de choses. L'Afrique a participé à beaucoup de choses. Malheureusement, c'est un peu marginalisé. C'est une espèce, excusez-moi, peut-être c'est mal parlé, qu'on veut toujours détruire. Pourquoi? Partout, on veut nous détruire. Tout n'est pas mauvais. Combien? Mais on veut nous détruire. On nous voit gnéli gnéli, oh, on est utile. On nous voit gnéli gnéli, oh, non, sous cela, c'est ce qui ravitaille le monde entier. Amen. Amen. Sans notre sous-sol, sans l'Afrique, le monde n'est rien. Amen. Celui qui vient et pense, dit le contraire, qu'il lève le doigt. Je vais expliquer beaucoup de choses. Le Congo RDC, c'est le scandale géologique dans le monde. Le Congo Kinshasa, vous voyez là, qu'on appelle l'ancien Zaïre. C'est le scandale géologique. Le seul Congo peut nourrir toute l'Afrique. Guinée, on voit près de Côte d'Ivoire, là, Conakry, vient en deuxième position. Il y a tout chez nous. Mais Soubaga est chez nous. Soubaga. Nous-mêmes, les sorciers, là, on parle, on s'insulte. Nous, les Noirs, là, on n'aime pas nos frères. C'est dans nos sangs. Voilà. Souvent, il demande au Seigneur, est-ce que c'est parce qu'on nous, excusez-moi, est-ce que c'est parce qu'on nous a purgé qu'on était bébé ou bien? Parce que tous les enfants africains, on les purge. C'est comme si un enfant africain. On t'a pas purgé, t'es pas un enfant africain. C'est faux ce qu'il dit? Non. C'est comme ça. Oui. Quand tu fais, c'est purgeant numéro 1. Jusqu'à le numéro 62, ça c'est fini. Dernier dirigeant numéro 62. Des noirs vont être ensemble, quelqu'un va commencer à prospérer, l'autre va commencer à l'aïr. Le blanc s'est intégré à l'intérêt. Ils s'en foutent de toi. Oh, nous c'est des. Oh. Ceux qui nous insultent là, c'est les noirs. Les blancs, ça les intéresse. Pendant que les gens m'insultent, les Américains me voient que je suis bon. On dit, toi, on te choisit pour venir travailler pour nous. C'est nous les noirs là qui vendons nos leaders. C'est nous les noirs là qui détruisons nos continents. Ouais. C'est nous les noirs. Nos cœurs, nos cerveaux, il y a sorcellerie dedans. Oui, c'est la vérité. Tu vas marcher, il va goûter. Bon, sorcellerie, là, c'est dans nos sangs ou bien. Quand vous êtes dans l'association des temps, c'est vrai, c'est pas mauvais. Mais c'est là vient la sorcellerie. Pour mieux vivre l'Afrique, il faut se cacher. Ouais. Ou bien ici, mais il faut se cacher. Ouais. Quand tu commences à rentrer dans les systèmes d'association, tu es victime d'attaque. Ils vont tout connaître sur toi. Ouais. Ils vont commencer à te nuire. C'est la vérité. C'est ça le problème de nous, les Africains. Nous avons tout. Nous avons le pétrole bleu. Nous avons qu'on appelle. Dans le nord, au Mali, il y a la plus grande réserve, le plus grand gisement, n'est-ce pas, de uranium au monde. Des choses qui vont faire prospérer l'Afrique. Mais l'Afrique en retard, à cause de la présence de la sorcellerie. C'est ça que nous mettrons là beaucoup l'accent ce soir, sur la prière concernant notre Afrique. Je prie que Dieu libère le Congo RDC. Amen. Que tous les Congolais de Pavot Canal, nous invoquons le Dieu d'Israël.
Que Dieu établisse la paix au Congo RDC. Amen. Que Dieu établisse la démocratie au Congo RDC. Et que les choses aillent mieux au Congo RDC. C'est ce qui est la vérité. Amen. On ne peut plus aller au Congo parce qu'il n'y a pas de paix. C'est ce qui est vrai. Disons-nous la vérité. On ne peut plus aller. On ne peut plus aller en Centrafrique. Et voici un pays qui a le plus grand gisement de diamants au monde. Et on découvre encore les plus grands puits de pétrole au monde. Mais rien n'est comme le pays est devenu aujourd'hui. Que Dieu se souvienne du pays qu'on appelle Centrafrique. Et que Dieu apporte la paix en Centrafrique. Dans le nom de Jésus-Christ. Voici le Togo, un pays encore frère de la Côte d'Ivoire. Regardez ce pays. Regardez les gens, ceux qui pensent apporter la paix dans le monde. Et regardez, regardez ces personnes en train de regarder ce pays sombrer, sans lever un doigt, parce que ça les aide, ça les profite. Ils sont contents que c'est comme ça. Que Dieu nous aide. Nous allons prier pour qu'un vent souffle sur l'Afrique. La Bible dit, si mon peuple, si qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, je les exaucerai. Moi, je ne suis pas venu faire du mannequinat là. Je ne suis pas venu pour me montrer. Je suis venu pour une seule chose, pour que vous soyez délivrés et que l'Afrique soit délivrée. Amen. Et que nous soyons en paix. Amen. Prenons notre avion pour aller construire. Que vous voulez ou pas, héros est plus mieux que CFA. Ça, on n'a pas besoin de demander un enfant. On n'a pas besoin de demander un enfant. Tu as 1 000 euros, ça te fait 650 000 francs. Tu en as 3 000, tu peux faire déjà une maison brique en terre, tout ça. C'est ce qui est vrai. Donc en fait, je cherche. Mais les terres sont chez nous. Les terres sont chez nous. Il faut que nous prions pour qu'il y ait la paix. Amen. Amen. Et puis vous la pensez à construire là-bas en Afrique. Hein? Bon, Dieu va vous aider. Dis amen. 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 Si par moment le sorcier, si brigand, votre argent vous met dans les Canaries. D'autres mains vous mènent en pas comme cannibale, on met ça quelque part là-bas, vous êtes étouffé. Kanumba. Est-ce que les sorciers sont bêtes, hein? La sorcière dit, j'ai pris le pasteur, je l'ai mis dans mon anus, excusez-moi. Mais c'est dans mes aveux. Elle a pris le pasteur, l'a mis dans l'anus. Et toute l'église, donc le diable, le pasteur, l'ancien de l'église, ils sont dans les parcs, ils nageaient quelque part. De la sorcière. Oh, là-bas même, c'est pas joli à voir. Là-bas, la seule chose que ça, c'est l'odeur. Mais c'est tout, la nuit, c'est l'odeur qui est là-bas. Oh, c'est là-bas, sorcière, tes mains. Chez nous, en mettant du gougnini. Anus de sorcier. Mais c'est grave. Ça dit, tu as envoûté à mort. Quel papier tu as envoyé en Europe ici? Tu es enfermé dans anus de sorcier. Quel mari qui va t'attraper? Personne. Tu sens seulement. Il faut prendre tous les parfums du monde, tu sens. Parce que tu ne te caches pas comme cannibale là-bas. Mais ils vont vous déféquer au nom de Jésus aujourd'hui. Sortir aujourd'hui. Tout va sortir aujourd'hui. Vous savez, moi j'attends beaucoup de choses. Souvent il dit les sorciers, vous êtes bêtes. Vous êtes très bêtes. Que Dieu vous aide, amen. Recevez la grâce du Seigneur. Que la main de Dieu soit sur vous. Aujourd'hui, c'est l'introduction sur cela qui chante dans les mots. Mais on va bâtir la sorcellerie. Alléluia. Nos pays souffrent. Nous allons nous souvenir de l'Afrique. Parce que par moments, les gens regardent, c'est vrai. Mais au pays, il n'y a plus rien. C'est la guerre. C'est la misère. J'ai envie de retourner à Centrafrique. Mais attends. Mais j'ai la guerre. J'ai envie d'arriver au Congo RDC. Il y a des pierres qui existent au Congo RDC qui n'existent nulle part au monde. C'est uniquement que là-bas, en Saint-Zaïre, qu'on appelle Congo RDC. C'est cette pierre qu'on prend pour créer la puce. Notre puce qu'on met dans les portables.
sur les cartes magnétiques, cette pierre-là qui existe uniquement qu'au Congo RDC. Est-ce que c'est parce que Dieu a abandonné l'Afrique? Non. Les gens disent, Dieu n'a pas abandonné l'Afrique. Dieu réside en Afrique. L'or et l'argent partent à qui? Mais où les gens prennent l'or et l'argent? Où ça? C'est en Afrique. L'Afrique est le berceau de l'humanité. L'écriture est née en Afrique. La musique est née en Afrique. La civilisation est née en Afrique. D'où vient le retard de l'Afrique? C'est la sorcellerie. C'est de ça que nous tous avons peur. Il faut commencer à émerger. Le seul problème de l'Afrique, on a tous les deux radieux. On allait faire alliance avec Satan. Aller faire les pactes avec le fétichisme, le maraboutage, tout ça. C'est ce qui met aujourd'hui l'Afrique en retard. Je tenais à dire merci au Seigneur pour mon fils. C'est pas de beau. C'est un fils guinéen. Musulman qu'il était. Maintenant, il est devenu Jésus à mort. Il est musulman, il est musulman. Depuis qu'il a regardé mes vidéos, il s'est converti. Il dit, c'est là qu'il y a la vérité. Il est venu à la première rencontre à Lyon. Il avait un souci, tout ça. Il a une voiture. Voici la clé de la voiture. Quand lui-même il a acheté Bible, il a acheté sa Bible. Il nous a invités chez lui, on a prié. Sa femme même, elle est quoi là? Elle est blanche. Quelle nationalité? Polonaise. Ah, elle a commencé à venir aussi dans le feu de Jésus ta mort. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Il dit, il faut que tu me baptises. Amen. Parce que quand je vois dans d'autres églises, j'ai l'impression qu'ils sont en avance avec eux. Je leur ai dit oui. Parce que moi, mes enseignements, c'est une corde, c'est une formation. Amen. Je vous montre ce que les gens ne vous enseignent pas. Ça te fait grandir. Au-delà de ce qu'on appelle prière, il y a les actions, il y a connaître l'aurore, comment on doit prier, comment on doit faire cela. Que Dieu te bénisse. Amen. Je vous aime vous tous, amen. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous bénisse, amen. Justement, après cette rencontre, on aura l'occasion de faire de visites en famille, en privé. Amen. Avant, n'est-ce pas, le programme d'Italie, c'est quand l'Italie? C'est le 23, 24, 25 novembre. 23, 24 novembre. C'est très bientôt. Donc pendant cette période, on aura l'occasion de vous visiter en famille, aller prier pour vous, aller prier dans votre maison. Peut-être qu'ils ont mis caméra là-bas, vous contrôle. Parce que c'est comme ça. Ils ont fini ça. Ils quittent l'Afrique. Ils ont 15 minutes. Vous allez chez vous. Ils mettent les caméras. Ils vous contrôlent. Pendant qu'il y a Air France, ils ont un tofla. Un tofla, c'est une seule personne seulement qui est sur, dans l'avion. Mais nuit, à poil. Petit balai. Attends. 15 minutes. Pourquoi vous ne donnez pas cette connaissance-là, Boeing? Et puis, nous, Air France. Et puis on va venir en France en 15 minutes, on travaille, on va dormir à Abidjan. Mais oui. Fais 6 heures, il y a turbulence d'avion, ton cœur va tomber. Tu vois tous les sorciers disent, Seigneur, est-ce que je peux arriver à Paris? Et puis bon Dieu te fait descendre à Paris. Vous pouvez arriver à Paris. Et ils ont fui d'ambassade. C'est Dieu visa. Il a envoyé tel dossier, c'est l'hiver d'hébergement. Et même vient manger. Il prend El Tofla. Viens. Pendant que toi tu penses qu'il n'a pas ton numéro de téléphone, il a GPS. Il connaît ta maison, il rentre chez toi, il visite ta chambre, il regarde. Il dit, voilà le salaud là. Ça fait combien de temps il n'est pas au village?
Il te donne des papas. Quand tu te lèves maintenant, tu dis, ah, la mort était la migraine. La semaine qui suit, tu fais ABC. Mais le voici, il a peur de qui? C'est de moi que tu as peur, mais voici chez toi. En t'entendant de faire ton conseil gaz, tu ronfles. Que Dieu nous garde. Amen. Amen. Que Dieu nous garde. Sans Dieu, nous sommes rien. Amen. Donc, on aura l'occasion de vous rendre visite, n'est-ce pas? En privé, aller prier chez vous et tout ça. Recevez la grâce de Dieu chez vous. Amen. Amen.